9h, 11h, 19h, 19h. Parce que quand je suis sorti, il y a 19h. Dès que j'ai vu le mouvement, il y avait la faute de pression, je cherchais à. Donc j'ai entendu un grand coup dehors. Parce qu'ils ont l'habitude souvent de nous agresser. Ça, c'est la cinquième fois. Voilà. Il y a dit que je suis sûr que les gars sont à bord. Je sors alors, exactement. Je vois, il y avait tellement d'ambiance tout dehors, les tout, dont les gens fouillaient de tous les sens. Parce que même les clients qui consommaient, on les a poignardés. Et on a récupéré les téléphones et tout. Oui, donc les gens étaient vraiment tout le était au premier îlot. Parce qu'il y avait j'avais trois pour en série. Celui du milieu, on l'avait déjà tout dépouillé, il était qu'au sol. Et celui de l'autre côté avait beaucoup. Même son tampon, et sa main, parce qu'il cherchait à fouiller avec le couteau, tu peux rien, il faut seulement chercher à fouiller. Maintenant, les passagers qui étaient restés là en route, qui attendaient pour emprunter le taxi et la moto, parce qu'il y a une dame qui était moi à la fin qui leur donnait le transport parce qu'elle n'avait plus rien. On a arraché son sac, parce qu'on a compté le couteau. Si elle a seulement tout laissé parti. Et le autre monsieur qui est aussi pointé juste au niveau du dernier îlot de la pompe, parce que c'était un peu. Donc celui qui l'a fait, ça c'est un peu mieux de pouvoir se défendre avant que les autres, simplement, vu que ah, c'est qui nous empêche de faire nos coups, il est trotté derrière. Donc c'est entré là. Donc c'est l'autre, le collègue derrière qui veut protéger, celui qui l'a fait ça, c'est senti qu'il pouvait l'autorité. Les petits étaient à pied, ils n'étaient pas sur moto. Non, à pied. Ils avaient mis les casse-nez. Oui, bon, c'est la cinquième fois que je vois que les quatre premières fois, ils sont partis. Oui. Mais vous n'avez pas signalé. Non, on a signalé, j'ai posé une plainte au niveau de Bounajo. Voilà, la plainte, c'est après l'action, vous savez. Oui, le même. Attendez donc. Pour l'attraper, quand ils viendront pour la cinquième fois, certainement vous allez prendre mon numéro, je suis le commissaire et autres. En offre, vous comprenez? Donc, appelez immédiatement quand, parce que le problème c'est signaler immédiatement. Chaque fois que les populations ont à nous dire, voici ce qui se passe à tel endroit, dans les 5-6 minutes qui suivent, on réagit. Vous comprenez que ils ont agi comme ça. Personne n'a eu le réflexe d'appeler les responsables. Et ça, vous avez dit que non, si on appelle 113, 117 personnes, on veut dire que non. Ayez les numéros des responsables. Vous comprenez? Donc, la sixième fois, ça va être. En tout cas, comme deux sont déjà pris et qui sont passés aux aveux, on va rattraper tous les autres. Mais, pour la bonne synergie, donc, agissez rapidement, comme vous étiez au bureau à l'intérieur. Dites, monsieur le gouverneur, voilà ce qui se passe, monsieur le sous-préfet ou bien monsieur le commissaire de collision, voilà. Aidez-nous, parce qu'on est en difficulté. Ouais. Le cimetière donne accès à TGF, voilà, rue Coloco. À droite, après la commande, Vous venez à l'époque.